La pièce de Jules Romain, rendue célèbre par Louis Jouvet, Knock, est réadaptée aujourd'hui au cinéma. Et c'est Omar Sy, sous la direction de Lorraine Lévy, qui incarne ce héros étrange, fragile, mais qui s'est joué aussi sur la crédulité des habitants d'une petite commune. La consultation d'Omar Sy, par Sébastien Thème. Le docteur Knock fait savoir qu'il donnera tous les mardis une consultation entièrement gratuite. Gratuitement, ça cache quelque chose et ça n'est pas normal. Je suis médecin. À ce titre, je me dois d'abord à mes clients. Le docteur Parpalais disait mes patients. Aïe, 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 j'ai mal. Il y a des fois que je sens des démangeaisons ici. Ça me chatouille, ou plutôt ça me gratouille. Ou bien ça me chatouille, ou bien ça me gratouille, mais ça peut aller, c'est l'un ou l'autre. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, oui. Je suis plutôt mal de dos. Mon cœur va bien, ma tête pas trop mal. Je fais gaffe avec le ventre, donc on arrive à un âge où on fait très attention au ventre. Donc c'est plutôt le dos finalement. J'ai beaucoup fait de dos crawlé ces derniers jours, et ça doit être lié à ça. C'est un mensonge, hein. Je nage pas le dos crawlé. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas le mal du pays parce que j'ai la chance de pouvoir revenir régulièrement. Il y a un truc qu'on ne fait pas quand on vit dans son pays, c'est qu'on ne parle pas de son pays. Et quand on vit à l'étranger, on le raconte, on l'explique à d'autres. Et c'est là où ça se précise, en fait, ce qu'on ressent pour lui, comment on le voit, comment on le décrit, comment on l'a vécu, comment on le vit encore. Eh bien, je l'aime beaucoup plus que ce que je pensais. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire mal, Knock, déjà. Knock, ça va faire mal. Mais heureusement, il est médecin. Il y a le flic de Belleville. Le prochain film qui va sortir, que j'ai tourné, qui est un film de Rachid Bouchareb. Donc ça va faire mal. Ça sort l'année prochaine. C'est vraiment le buddy movie des années 80, qu'on est les comédies d'action qu'on a aimé dans ces années-là. Un peu un hommage aux flics de Beverly Hills, quoi, clairement. Pour les gens qu'on aime, on se donne du mal. Pour soi-même, on se donne du mal. Je sais même pas, ça veut dire quoi, se donner du mal, en fait? Je crois qu'on fait pas ça, on se donne pas du mal. Enfin, ça serait chelou de se donner du mal. Ça veut dire quoi, de faire de son mieux? Je dirais plutôt que se donner du mal. Non? Ça veut dire la même chose? Ou pas? J'en sais rien, je parle pas français, moi, donc aidez-moi. C'est cela, faire de son mieux.